Nous connaissons les traînées de condensation provoquées par le gel de la vapeur d'eau qui sont produites par des avions normaux et qui disparaissent en quelques secondes. Mais depuis un bon nombre d'années dans le ciel, on observe des traînées blanches qui s'étalent et restent plusieurs heures dans le ciel. Que se passe-t-il au-dessus de nos têtes? D'après les recherches militaires de l'US Air Force, ces traînées sont des largages de particules réfléchissantes pour créer un changement climatique qui permettrait de modifier le climat à l'échelle mondiale. Mais ce n'est pas l'avis des opposants qui se soulèvent dans le monde. Ils se battent depuis des années contre les chemtrails, qui sont, d'après les analyses, des traînées de produits chimiques répandus illégalement par des avions et qui contribuent, bien au contraire, à favoriser le réchauffement climatique. La création de ces chemtrails existerait afin d'obtenir le contrôle d'une bonne partie de l'économie d'une nation au niveau social et agricole, en sabotant de façon silencieuse les récoltes d'un pays. Le procédé est d'augmenter le taux des précipitations, des orages, des tornades et des canicules. Et, la cerise sur le gâteau, ce serait également un moyen discret et global pour affaiblir les défenses immunitaires de tous les êtres par la distribution de virus et de bactéries. Cela fait froid dans le dos. Non, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Afin d'approfondir le sujet, j'obtiens un rendez-vous avec la fondatrice et présidente de l'association Axepica. Cette affaire était une affaire d'abord de sécurité nationale. Notre espace aérien est envahi par des tas d'avions clandestins qui crachent des produits chimiques. Tant qu'on arrête de se mentir globalement au niveau du peuple, il faut qu'on voit les choses en face si on veut arriver à des solutions réelles. Car ça ne sert à rien de lancer un mouvement citoyen si on... Il faut savoir que quand on voit la carlingue de l'avion à l'œil nu, ce n'est pas un avion de ligne, car les avions de ligne volent beaucoup trop haut pour qu'on puisse voir leur carlingue à l'œil nu. C'est donc un avion qui vole dans les couloirs militaires, qui est clandestin ou militaire. Mais vous avez des preuves de ce que vous amenez là par rapport à tous ces produits nocifs qui sont donc répandus sur la civilisation? Donc une des analyses les plus intéressantes, c'est celle qui a été menée de manière suivie à trois reprises, on continue, hein, sur de l'eau de pluie recueillie dans le Doubs, toujours dans les mêmes conditions. Et là on constate une augmentation en flèche de taux d'aluminium, c'est taux aluminium-barium. De même, des analyses de taux de barium dans le sang. Les personnes qui viennent d'en faire récemment ont toutes des taux de barium dans le sang qui pèsent au-dessus de 100 microgrammes par litre de plasma. Alors, le taux normal mentionné sur les feuilles des laboratoires est de 5 microgrammes par litre. On sait que les composants des chemtrails, c'est essentiellement de l'aluminium, du barium, du strontium. Ce sont les ingrédients de base sur lesquels après se greffent toutes les cochonneries possibles, imaginables. C'est la poubelle, ce n'est plus le ciel, c'est le chiel. Il faut savoir se rendre compte de cette abomination. Les colloques qui se tiennent officiels, qui se tiennent en France à ce sujet. Alors on nous raconte l'histoire de la géoingénierie, qui est donc la science de la manipulation du climat et de l'environnement à l'œuvre depuis plus de 50 ans, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, donc toute l'histoire, même depuis les années 30, pour ce qui est des premiers épandages, brevets de modification du climat. On nous raconte l'histoire et puis après on fait comme s'il ne se passait rien aujourd'hui. Voilà. Or tout se passe évidemment sous secret défense. C'est la grande omerta. Tout le monde a du monde qui disparaît. Hein. Alzheimer, toutes les maladies respiratoires, cardiovasculaires, les cancers. La courbe de ces maladies, regardez, a augmenté. En 2002, il y avait un plateau qui montait légèrement. Et hop, en 2002, quand les épandages ont commencé, ça a fait ça. Fibromyalgie, etc. Et qu'on rendez-vous compte quand il y a d'intenses passages d'avion, comme s'il fait beau, la température devient insupportable, et s'il fait gris, comme la couverture devient noire et la température glaciale. Des associations comme vous, il y en a dans le monde entier, vu que le chemtrail, c'est pas juste en France, c'est de partout. C'est dans le monde entier, les pays. Alors les premiers pays gagnés par ce mal, c'était les pays du Commonwealth, à partir de 1995. À partir de l'an 2000, tous les pays de l'OTAN, on y a eu droit les uns après les autres, enfin même à peu près tous en même temps, entre 2000-2002, toute l'Europe, de l'Est, de l'Ouest, couverture. Et depuis, bah, tous les autres pays qui étaient mis d'aucun de ces deux groupes tombent les uns après les autres, comme le Brésil il y a 3 ans, Taïwan également, tout le monde.
l'ombre grise recouvre la planète.